Don't ballot people, don't cut them again. Don't ballot people, they don't cut them again. Una go cut them, una go cut them. We go come back. Don't ballot people, they don't cut them again. Oui, ils avaient coupé ça hier, ils ont encore coupé aujourd'hui. Mes frères, je vous ai dit pardon, excusez-moi du retard. Je vous dis, le peuple a pris le pouvoir depuis le 26. Et il croit que c'est en arrêtant le professeur Maurice Kamto que le peuple va baisser le bras, les bras. Nalaï! We don't take power since the 26 January 1919. 26 January, we don't take power for that country. Anglophone and francophone, we don't take power for that country. Cameroun élève-nous, Cameroun élève-toi, chassez bien. Cameroun élève-nous, Cameroun élève-toi, chassez bien. Cameroun élève-toi, Cameroun élève-nous, chassez bien. On me même a dit que je vous passe la nouvelle. Oumyobe m'a dit de vous passer la nouvelle, de vous l'aider. Wanji Enes m'a demandé de vous passer la nouvelle. Félix Moumier m'a dit de vous dire qu'il faut vous lever. Parce que la liberté ne se donne pas. Elle s'arrache, elle s'arrache, elle s'arrache, rache, 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 rache. Assez, levez-vous, Cameroun, levez-vous. Lève-moi. Tu es à Yaoundé, tu as les mêmes problèmes avec celui qui est à Kousserie. Cameroun, lève-toi. Nous devons reconnaître le plus grand cadeau que le professeur Maurice Kamto a donné aux Camerounais, c'est de nous avoir livré bien sur un plateau en or. Merci professeur, tu nous as livré bien, on a pris bien. We go chop, we go chop, we go chop bien, we go machin, we go grana, les kenjama jama. Camerounais, lève-toi, lève-toi, assez, wakope, lève-toi, chassez bien, assez, mais tu wakope, lève-toi, Camerounais, wakope, lève-toi, chassez bien. Ma anglophone pointe à l'évidence, la tamé, tout est dédié, respect aimé, tenez du temps, c'est Ubi, babé, d'aïgéno. Tenez du temps, c'est Ubi anglophone. C'est pour ça qu'ils respectent aujourd'hui les anglophones. Avant, ils les appelaient Bamenda, anglophone. Vous pouvez encore dire ça? Ils vous ont montré. Francophone, lève-toi. Fais comme les anglophones. Lutte pour ton droit. Ne reste plus assis. Ne reste plus dans les bars. Sors de ce bar-là. Va dans la rue. Défends tes droits. Oui! Oui! Fais comme les anglophones! Oui! Fais comme tes bien-aimés ici aux États-Unis!
fais comme elle. Oui, fais comme Ivo, Coca de Londres. Il faut faire comme Kingsley. Il faut faire comme Ebahi. Emily, lève-toi. Lutte pour tes droits, mon frère. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, oh, oh. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia. Quand tu veux tribaliser ce pays, tu veux tribaliser ce pays. Est-ce que Valsero c'est un Bamileke? Est-ce que Penda et Coca est un Bamileke? Est-ce que la combattante Maître Doki est un Bamileke? Est-ce que Maître Sim est un Bamileke? Je ne suis pas du MSC. Je ne fais pas de la politique. Je suis un activiste. Je suis un combattant de la liberté. Je suis un gars qui a... Je veux sacrifier ma vie. Et j'ai mis ma vie en jeu. Vous m'avez vu à l'œuvre. Oui. Je suis parti à l'hôtel et tête continentale plusieurs fois. Pour démystifier bien. Bien ne représente plus rien. Oui. C'était pour vous dire que vous pouvez vous lever. Il n'y a rien en face. N'ayez pas peur de ces assassins. Et les jours qui suivent, bien tu vas voir le résultat de ce que tu as cherché. Tu vas voir sur le terrain. Nous allons activer désormais tous nos réseaux au Cameroun. En attendant que tu lances le coup d'envoi. Tu as donné le coup d'envoi. Nous allons donc activer ces réseaux-là. Et tu seras en face du peuple. Et la colère suprême du peuple souverain va se verser sur vous. Oui, Unagosi. Unagosi. Ugocho Unamami Wata. La liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. C'est toi qui as la licence. Et tu es sur le Ben Sikin. C'est toi qui as le wasote. Na yuda yudise na banana for your head. Adon si so wande de se na bitakola. Pourquoi? Pourquoi tu dois vendre le bitakola alors que tu es allé à l'école? Pourquoi tu dois avoir un master et tu dois aller pousser? Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Oui, il faut mettre fin à tout cela. Mon frère, pour mettre fin à tout cela, ma soeur, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, oh, oh. Comme ça sans lutter. Marie Lumière en Allemagne, vous croyez qu'elle ne pouvait pas rester comme ça? Géraud, la main droite de El Chenou, vous croyez qu'il ne pouvait pas abandonner ce combat? Vous croyez qu'il manque quoi manger? Vous croyez que le grand combattant Calibri de Calibon, qui est le père fondateur de la brigade anti-Sardina, qui fait peur, qui fait peur, qui fait trembler ce régime, qui a mis bientôt au mur, vous croyez que cet enfant n'a rien à faire? Vous croyez qu'il ne pouvait pas s'asseoir chez lui? Mais il a dit, je veux sacrifier ma vie pour ce combat. Je veux sacrifier ma vie pour ce combat. Vous voyez des gens comme Serge Anango, ils sont dans les réseaux sociaux, en train de travailler pour sensibiliser les Camerounais. Attention, c'est un ingénieur. Il peut bien rester manger son argent tranquillement. Vous voyez une petite fille comme Salomé Tchapchette, elle est dans le combat depuis. C'est une des rares femmes que j'ai retrouvées dans ce combat. Vous croyez qu'elle ne pouvait pas laisser ça et faire son travail tranquillement? Oh, Sofa. Écoutez, tout est évidé pour l'app. En off-lab, quand je vois Maître Ndoki avec 4 balles à la cuisse, je vois Célestin Djamen avec des balles à la cuisse, et on m'a dit qu'on l'a enlevé aujourd'hui. Quand je sens que Valsero est en prison, et il a été arrêté, destination inconnue. Hein? Mon frère, mon ami de combat. Oui.
Kingé. Il est aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Et vous voulez qu'aujourd'hui, je ne peux pas rire. Les gens sacrifient la vie. Nous avons combattu, commencé ce combat depuis le Cameroun. Nous sommes à la phase finale. Vous voyez des gens comme le général Wanto qui sont dans ce combat depuis. Les combattants comme Pusnitch, ils sont dans ce combat depuis. Vous voyez des gens comme Jean Bosco Tagne, Jean Bosco de Boston aux États-Unis. Il est dans ce combat depuis. On a mis Basseweti. On a mis Basseweti. Parce qu'on n'a rien fait. On a fait, monsieur. Mais on a sacrifié nos vies pour ce combat. On va sacrifier nos vies pour ce combat. Oui, les actions qui se sont passées à Berlin, en France, en Belgique, en Angleterre, en Italie. Oui, en parlant de l'Italie, je parle de mon jeune frère, Nanko, le petit garçon de l'ombre. Hein? Francine Tiako, qui sont toujours sur le terrain. Vous croyez que ces enfants n'en ont rien à faire? Moi, je te dis, lève-toi. Lève-toi, mon frère. Quand les femmes entrent dans ce combat, c'est parce que le combat est déjà vers sa fin. Vous avez vu la Sandy de Boston. Je vous ai dit l'autre jour que c'est une fille boulot. Quand vous avez dit que c'était une lutte des Bamileke et c'était une lutte des anglophones, ce message ne passe plus. Ça ne passe plus. Bien, tu as franchi la ligne rouge. J'ai dit, je suis maintenant dans la guérilla. Je suis dans la guérilla. Il y aura désormais une guérilla urbaine. Guérilla urbaine. Vous avez provoqué le peuple. C'est quoi? Quel est ce pays? Tu dis bonjour à quelqu'un, il se fâche. Sa force est attachée. Parce qu'il n'a pas d'avenir. Où ça a venu des inondés? Voici qu'à ses outils. Voici qu'à ses comptes. Donc, finish. Notre défaut d'un compte again. Et toi, Kalis Beyala, je vais seulement envoyer mon enfant Stella. Elle va s'occuper de toi. Tu crois que je vais parler de toi aujourd'hui? Feignante. Stella, ma fille Stella là-bas à Paris, elle va s'occuper de toi. Si mes ballons pipodèles, tu sais, donc arrêter all les membres de la base et les fausses informations. Cameroun, lève-toi. Lève-toi. Cameroun, lève-toi. Lève-toi pour chasser l'IA. Cameroun, lève-toi. Lève-toi pour chasser l'IA. Vous savez, quand je parle là, je ne vous vois pas. Hein? Si vous n'êtes pas content, envoyez, dites que vous n'êtes pas content et moi je vais savoir. Si vous n'êtes pas content, vous me dites pardon. Que vous n'êtes pas content. Si je chante, ça vous dérange, vous dites que ça vous dérange. J'arrête tout. J'avais prévu faire cette live au studio Zéro Monde. Mais le feeling que j'avais quand on a arrêté pour ce canto, j'ai du coup basculé maintenant pour vous expliquer. Donc, je ne sais pas. Le technicien est en train de regarder et il me dit ce qui se passe. Et je vois ses réactions, et puis c'est par rapport à ces réactions-là que je vois ce qu'il y a à faire. Camerounais, lève-toi! Lève-toi! Camerounais, lève-toi! Lève-toi pour chasser Biya! Camerounais, lève-toi! Lève-toi! Camerounais, lève-toi! Lève-toi pour chasser Biya! Il faut sortir vos griffes! Sortez vos griffes! Sortez vos griffes! Sortez vos griffes comme les lions! Comme la panthère! Oui! Sortez vos griffes! Comme moi la panthère! Oui! Sortez vos griffes! On va déloger ce régime par tous les moyens! L'armée est avec vous!
La police est avec vous. Les gendarmes sont avec vous. Ceux qui restent encore dans cette armée et qui sont contre vous, le peuple, c'est la milice de Biya. Mais ils sont combien? Elles sont combien cette milice-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire face à vous? Aucune armée au monde n'a vaincu son peuple. Aucune armée au monde n'a vaincu son peuple. Vous pouvez voir, Biya ne parvient pas à vaincre les anglophones. C'est parce que aucune armée au monde n'a vaincu son peuple. Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Chanson des maquisards, c'est la chanson que nous allons prendre quand on va entrer à Itoudji, parce que nous allons nous mettre dans la rue pour dire aux Camerounais de nord au sud de l'est à l'ouest, sortez, sortez, mais qu'on a commande, mais qu'on a commande, mais qu'on a terroir dans balop, ou dans pipo, dans pouta fou, on a chemin, on a pouta fou, on a pouta fou de mout, on a commande, assez, mais qu'on a commande. Camerounais, lève-toi, lève-toi, Camerounais, abandonne ton whisky là. Il a créé des bars dans chaque maison. Oui, c'est pour vous distraire. Il a créé des églises dans chaque chambre. Oui, c'est pour vous distraire. C'est fini, Biya. Cette nouvelle génération que Kamto a créée, parce qu'il faut le reconnaître, on appelle ça les effets Kamto. Merci, professeur. Merci, professeur. L'histoire retiendra que il y a eu Maurice Kamto qui est venu éveiller les Camerounais. Qui est venu soulever les Camerounais. Ah oui. L'histoire retiendra qu'il y a quelqu'un appelé Maurice Kamto qui est venu au Cameroun. Il a empêché au Cameroun de regarder les matchs de football. Mais de s'intéresser aux affaires de leur pays, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Si toi tu n'es pas Maurice Kamto, reconnais cela. Toi qui me regardes là, reconnais ça. Reconnais que Kamto, pendant les affaires de la Cour suprême, Kamto a empêché les Camerounais de regarder le match de football. Ils étaient tous concentrés dans le petit écran. Reconnais cela au moins. Ne dis pas que je connais qui a gagné, mais tu ne donnes pas le nom. Ce n'est pas sérieux. Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Calibrie, 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 calibrie. Lève-toi. Général Wantoué, lève-toi. Ingenoué, lève-toi. Combattant Louis Nietzsche, lève-toi. Le fils du planteur, lève-toi. Camoua la pente, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Baptiste Numa, assez lève-toi. Jana Seme, attends, c'est Emery, wake up. Yes, Tébi Emery, c'est assez Emery, wake up. Gaston, fais-le, lève-toi. Massigno Ivoire, lève-toi. Saint-Jean-Nango, Platini, assez Mekuna, wake up. Hélène Colo, lève-toi, Big Mami. Mekuna, wake up, Mekuna, wake up. Mekuna, stand up for, on arrête. Tant de bonnes, tant de riches. Hélène, levez-vous. Mireille, levez-vous. Esmeralda, levez-vous. L'heure est grave. Le pays est en danger. Assez, on a wake up. On a wake up. Les gens là nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués. Hugo Show de Wonderful. On va vous montrer le feu. C'est fini. La récréation est terminée. Biya, tu nous as provoqué. Hugo Show de Wonderful. Hugo Show de Wonderful. Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Oh. Camerounais, lève-toi. Je dis lève-toi pour chasser Biya. Camerounais.
nettoyer. Fais ton petit choco choco. Fais ton petit chaka chaka. Cho cho cho. Mais va dans la route. Défends-toi. Mais va dans la route. Stand up for your right. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Oh. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Oh. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia. La brigade anti-sardinale. La brigade anti-sardinale. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. La brigade anti-sardina n'attend les ordres de personne. Laissez comme tout tranquille. Ouais. La brigade anti-sardina est un mouvement de libération nationale. C'est un mouvement de libération nationale, ce n'est pas un parti politique. Et vous n'avancez. Si vous voulez qu'on arrête, parce qu'aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'était juste pour appeler les Camerounais de se lever. C'était ça le message aujourd'hui. Juste levez-vous. Levez-vous. Donc, si vous avez monté, vous n'avez pas. Adon Kipa. Fosi kase today bibi na de wa hotel ke mo na de make una wake up. Stand up, stand up, stand up, stand up for your right. Na ti wa don kante una today be that. I don't can pass the message. Today I want talk about les Amazon. I want talk about le plan de la résistance. But today I no go talk am. I don't kante una da so se lève-toi. Lève-toi, c'est une journée spéciale de te lever. La prochaine marche, sortez. Sortez partout. Même en Thaïlande, le président Bolo Jean-Éric Eric m'a dit qu'ils sont prêts. Donc vous comprenez que la brigade anti-sardina de la Thaïlande est déjà sur pied. Ils sont en train de travailler. Et à Manchester, en passant, Diallo Bakay, c'est celui qu'on appelle toujours le banane de Yingui. Il est à Manchester. Avec Bagadelle, toute l'équipe m'attend là-bas, samedi, dimanche à 15h. Vous m'attendez là-bas chez Mbengue. Vous tous, vous connaissez Mbengue. On va se réunir là-bas pour installer la brigade. Mais sachez que les actions sont déjà là. Nous allons, il y a tout un plan d'action. Désormais, nous allons travailler en synergie. Et le Cameroun avec nous ici. Oui, je pense que je ne vais pas vous retenir pour longtemps. Si les gens pensent que je peux continuer, technicien, tu regardes et tu me dis oui, si je peux continuer. Mais si les gens pensent que je ne peux pas continuer, technicien, tu regardes, tu me fais signe. C'est pour ça que je suis là. Je respecte le peuple. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui m'avez donné cette force. C'est vous qui m'avez donné cette puissance. D'aller toujours déloger le dictateur. Bien, aujourd'hui, il ne vient plus là-bas. Même s'il vient aujourd'hui, il sait que je l'ai déjà démystifié. Donc à tout moment, son pouvoir peut partir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il fallait démystifier Biya. Nous l'avons fait. Vous m'avez mis devant. C'est vous qui m'avez dit que tu vas déloger Biya. Va le démystifier. Je suis allé là-bas avec votre puissance. Ce n'était pas moi, Kepta. C'était vous, le peuple. Et aujourd'hui, ce pouvoir est à terre. Peuple camerounais. Atite ou nasse dans pouvoir, dans Grimba, ou biabike dans ton bolé. Ou nane de hier, dans Grimba, dans bolé. Adon kila. Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour aller chasser Bia. Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour aller chasser Bia. Tinga et Lobby, Madagascar, Mbokbi, Vogatanabala, Korezok, sortez, Oyomaba, sortez de chez vous, ne restez plus bouche bée, parce que le problème que tu as, Oyomaba, c'est le même problème que celui de Ndokoti a. Sors de chez toi,
Sors de chez toi. Ne t'assois plus chez toi. Ne regarde plus à la télévision. Tu dis que les Togolais sont sortis. Les Ivoiriens sont sortis. Les Gabonais sont sortis. Les ceci sont sortis. Et toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais chez toi? Ça te concerne. Ça ne regarde pas. Les Togolais ne viendront pas te libérer. Les Gabonais ne viendront pas te libérer. Les Ivoiriens ne viendront pas te libérer. Tu dois te libérer toi-même, mon frère. C'est pour ça que je suis venu ici. J'ai fait le gros du boulot. Avec votre puissance, la puissance du peuple camerounais, il était question de démystifier cet assassin, cet diable, cet méchant type de Paul Biya. Et je l'ai fait avec votre pouvoir. Et quand on nous a livré Paul Biya, mais qu'on a tout pendant. Mais c'est quand tu as fini son travail. Camerounais, lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi. Pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi. Pour chasser Biya. Merci beaucoup. Quand toi-même. Au temps d'Aïdjo, on restait à l'école primaire. Quand c'est la récréation, on trouvait une voiture dehors. On dit la voiture a fait quoi? On dit que c'est la vaccination. Vaccination. Vaccination contre le tétanos, contre le paludisme, contre le ceci. Ah, ça c'était au temps d'Aïdjo. Au temps d'Aïdjo, on restait chez nous comme ça. Les gens viennent dans nos maisons. Ils privilégiaient, ils disaient que c'était quoi là encore. Qui peut encore me donner le nom là? Dans les cabinets, ils privilégiaient pour protéger les populations contre les maladies. Pose-toi la question, pourquoi on ne fait plus ça aujourd'hui? Au temps d'Aïdjo, tu partais à l'hôpital, il y avait les Nivakinjo, Paracetamol, où ça a aidé tout. Mais pose-toi la question, pourquoi il n'y a plus de Paracetamol, de Nivakinjo? Voilà la question que tu dois te poser. Pose-toi la question, moi j'avais de l'eau à boire dans mon quartier, c'était gratuit avant, aujourd'hui il n'y a même plus de l'eau. C'est les questions que tu dois te poser. Et quand tu vas trouver la question à toutes ces réponses, tu vas savoir que c'est parce qu'on a un gouvernement assassin, un gouvernement de voyous, un gouvernement de corrompus, un gouvernement qui n'a rien, ils ne sont pas censés. C'est des étrangers qui ont pris notre pays. Camerounais, lève-toi, va chasser ces étrangers et tu prends ton destin en main. Oh, oh Seigneur, pardon, viens au secours. Viens au secours, viens soutenir ce peuple. Ce peuple qui souffre depuis près de 40 ans aujourd'hui. Viens au secours, Seigneur. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, stand up. Stand up. Pour chasser Biya. Camerounais, stand up. Stand up. Stand up. Camerounais, stand up. Stand up. Pour chasser Biya. Camerounais, stand up. Stand up. Camerounais, stand up. Camerounais, stand up. Bosco, Jean Bosco Tani des États-Unis, il est à Boston. C'est lui qui me disait souvent que chacun doit se lever pour arracher sa parcelle de liberté. Hé, hey, docteur! Docteur, toi-même, tu parles, hein? Dans une ambiguïté grand-maçon, on a que ta forme, hein? Et c'est vrai! Lève-toi, tu arraches ta parcelle de liberté, mon frère! Lève-toi, tu arraches ta parcelle de liberté, mon frère! Oui! Celui que je viens de donner son nom là, c'est quelqu'un. Une fois je suis allé à Genève, je suis calé là-bas. Deux photons bac ne vivent. Et lui que ce mot peut vous dire, en on a vécu deux photons bac. Et il me dit, ça fait quoi? Comme toi, tu ne vas pas dormir à Genève. Tu es allé là-bas pour le peuple. Et le peuple me dit de t'envoyer tel montant. Il a envoyé bien d'avion à dans ton bac volante. Camerounais, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, Camerounais, lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, lève-toi. On doit se lever parce que quand on était à Berlin, la conférence de Berlin,
On a eu le docteur professeur Niamsi qui nous a dit beaucoup de choses. Il nous a dit, mes frères, sachez que c'est maintenant ou jamais. Prof, ce message-là, nous l'avons compris. Et c'est pour ça que nous sommes passés déjà à l'acte. Les actes que vous avez vus à l'ambassade de France, Berlin, en Belgique et aux États-Unis, ici même, à Londres, docteur Niamsi à Salotiou. Oui, ce n'est que l'essai. On veut montrer à Biya qu'à tout moment, on va le pêcher. C'est ça. Berlin est sorti avec des résolutions fortes. Vous croyez que je vais dévaler ça ici? Pour le moment, on doit seulement continuer à sensibiliser notre peuple. C'est un peuple. Qui vous a dit que les Camerounais étaient lâches? Qui vous dit que les Camerounais sont lâches? D'un gauche ou n'a pas pas. D'un gauche ou n'a pépé. Ou go grand ou n'a saut les canotes. Ou go match ou n'a saut les pépé. Ou n'a aussi. Attends, Gandhi, tu ne perds rien à attendre. Tu ne perds rien à attendre. Ouais. Tu crois que tu vas. Bientôt, Biya va mourir. Hein? Et je ne sais pas où vous allez partir. Parce que même en exil, vous n'aurez pas place. Vous n'allez pas habiter ici. Belinga, toi tu es parti se réfugier maintenant. Je t'avais dit, Belinga, la dernière fois qu'on s'est rencontré à l'hôtel intercontinental, je t'avais dit que Biya va te chasser. Que tu ne connais pas Biya. Je t'ai dit, Belinga, si tu me regardes, rappelle-toi le jour-là. Le jour-là, mais j'ai failli bagarrer avec toi. Et ce jour-là, c'est le vigile de l'hôtel qui nous séparait. Et j'ai dit au vigile, si Belinga n'entre pas dans l'hôtel, il va mourir ou je meurs. Qu'est-ce qu'on t'avait fait? On t'a dit, entre à l'hôtel. C'est moi qui ne t'inquiète pas. Rappelle-toi bien de ce jour-là. Allez, Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser le moyen. Camerounais, lève-toi. Que quand tu es ton président, mon frère, c'est que je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Reconnais que quand tu as déniché des génies dans ce pays, oui, comme Ekanga Whitfield Ekanga, cet enfant n'a que 27 ans. Hein. Ça, c'est un génie. Voilà les génies. Oui, les génies. Il a, quand tu nous as réveillé des génies, comme Martin Tadjo, que vous voyez en Allemagne là-bas, qui a pissé sur la photo de Paul Biya. Martin, attends, c'est thank you. Thank you, ça c'était un geste fort. Les Camerounais doivent vous comprendre que ton geste là veut dire que nous avons pris le pouvoir. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Oh. Camerounais, lève-toi. Baleine blanche, c'est une artiste. Hein? Elle est à Londres. La baleine blanche. Elle est de la brigade anti-sardina. Un pied de Manchester, Neymar, tu vois, que vous entendez toujours là. Elle est de la brigade anti-sardina. Donc, les artistes sont entrés dans le combat. Ok, on me signale qu'il y a, que je me lève. On me dit qu'il faut que je chante un peu, je pense que c'est ce qu'on me dit là-bas. Mais vous aimez qu'on chante, hein? Oui, mais oui, bien sûr. J'ai dit que même les Oumyobé et les Wangienes dansaient, il faut. Et oui, ils dansaient dans le maquis.
Camerounais, lève-toi, S'ils ont arrêté le professeur Campion, c'est parce qu'ils ont échoué. Et ils ont échoué. Où sont les sardinats qui disaient que... Mais vous êtes où? Mais libérez vite tout ce que vous avez arrêté. Libérez-les très vite. La brigade anti-sardina vous donne l'ordre de libérer tous ceux qui ont été arrêtés. Assez, on a libéré them. On a no get no choice. Balok Pipondem, on a no get no choice. Chantal, ancien ninja des bois de nuit, dis à ton vieillard de mari, c'est mec qui libère, on a un pipon, il donne tes camés. Et il faut lui dire de les libérer. Il faut aussi que c'est dans la brigade de mari, dans la vieillard de mari, sur mon tari gogo. Et je ne sais pas où vous allez habiter. Bon, je pense que mes frères et sœurs, on va terminer la musique. Et pardon, si j'ai oublié le nom de certains combattants, on reste. Ah oui! Kingsley! Ça, c'est le brigadier des brigadiers de l'Angleterre! C'est Kingsley! C'est garçon! C'est un diable! Oui, Kingsley, I salute you! I know the two way you do for this struggle. I know the two way you do for this struggle. And I don't go away there for Birmingham, what they call and say, Nadine. I know the two way that people then they do. Yes, ce sont des combattants, les Amazoniens, des bad war. Et ces gars ont dit que les Amazones ont dit qu'il n'y aura pas le pain de 8 mars. Toi qui vas porter le pain de 8 mars, n'entre pas dans une boîte de nuit avec. Même dans la boîte de nuit des Blancs. Parce que nous allons gâter tout là-bas. Ouais, j'ai mon frère Constant. Constant de Manchester. Ça, c'est le champion tout catégorie en boxe au Cameroun. 5 ans champion. Il est maintenant ici. Il a rejoint la brigade. Le jeune Constant, on sera à Manchester ensemble, vous allez le voir. La brigade est en train de s'équiper. Oui, parce que la brigade là va descendre au Cameroun pour le renfort avec la brigade qui est déjà sur place. Oui, Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Stand up, people. Stand up, everybody. Camerounais, lève-toi. Stand up pour chasser. Stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, Cameroonian people. Lève-toi pour chasser Biya. Je lis souvent dans un commentaire que de goût of ça, vous allez me tuer, mes frères. Et que vous-même, vous avez le commentaire, vous savez que c'est après que je lis le commentaire. Parce que just know, je ne vois pas ce que vous écrivez. C'est après que je pars, quand je suis dans le lit, je commence à rire jusqu'à mes intestins vont sortir. Donc, merci beaucoup. Merci. On va finir en musique quand même. Allez, ah, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. On se revoit la prochaine fois. On se revoit la prochaine fois. Non, 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 non. Camerounais, lève-toi. Lève-toi.